j'étais impatient. Le basculement sera plus grand. Été battu. Pour ce qui est de la victoire, on verra quand on aura fini les négociations avec le Parti Socialiste. Nous, aujourd'hui, on exclut de ne pas être dans la majorité si on n'était pas respecté dans le deuxième tour, c'est-à-dire dans la distribution de ce que sera les responsabilités au sein de cette région, dont on a contribué à avoir un score haut. Et Europe Écologie a permis certainement une victoire par son rassemblement. Et ce rassemblement, ça veut dire que chacun est respecté dans la majorité à venir. C'est une belle victoire parce que c'est important que l'on puisse se rendre compte que quand ça ne va pas bien, la gauche est là et les résultats des régionales, et singulièrement dans cette région, c'est lié au fait que la gauche, elle fait les choses pour les gens qui ont besoin que la société soit plus douce pour eux. Donc c'est drôlement bien ces résultats, c'est un bon signe. Maintenant il y a beaucoup de travail, mais ce qui est bien c'est qu'on se retrouve avec nos concitoyens. Merci. Merci. Voilà, tout est dit avec ça. Merci. C'est une grande victoire pour nous, les partis de gauche. On les rassemblait derrière Alain Le Vern qui a fait un score magnifique. Et on est réjouis justement de travailler encore une fois avec Alain Le Vern à la région pour porter la région encore plus fort et pour que les choses puissent avancer avec Alain Le Vern. Bonjour à tous, je suis le maire de Petit-Quevilly, Frédéric Sanchez, et j'ai le plaisir ce soir de participer à cette sympathique fête organisée en l'honneur de la victoire de la gauche rassemblée autour d'Alain Le Vern, de l'équipe socialiste qu'il dirigeait, avec l'appui des amis du Front de Gauche et des écologistes. Alors, deux significations évidentes à ce scrutin, une belle confiance locale dans ce dirigeant de gauche qui a su de faire de notre région une belle région solidaire, et puis un message national, un message de sanctions contre la politique de Nicolas Sarkozy qui effectivement met en difficulté les gens, casse les services publics, ne relance pas l'emploi. Bref, ce soir, on est content et puis on est responsable aussi parce qu'on sait qu'il faut préparer la grande alternance, celle de 2012. Merci. Parle-moi un peu. Ah bah, c'est super, super nouvelle, plus de 55% pour la région, c'est extraordinaire, avec un super score de près de 59% à Rouen et bah, c'est bien, ça conforte tout le travail qui a été fait par les militants, les socialistes, les sympathisants et c'est génial. Belle victoire et maintenant, plus dur reste à faire, il faut travailler et puis espérer porter nos projets au plus haut. Voilà, à très bientôt. Didier Marie, président du département de Seine-Maritime. Le résultat pour ces élections régionales est exceptionnel. C'est à la fois une très belle victoire de la gauche nationalement, et ici en Haute-Normandie. Alain Le Vern a conduit sa liste, a fait une très belle campagne, a obtenu un excellent résultat. Je crois que c'est un résultat qui, d'une part, manifeste l'attachement des habitants de notre région au travail qui a été effectué ces dernières années par Alain Le Vern et son équipe. C'est en même temps une volonté de poursuivre et donc une adhésion au projet qu'il a présenté. Et par ailleurs, c'est manifestement une claque envoyée au ministre que M. Sarkozy nous avait délégué, qui les renvoie à leurs études et qui dit au président de la République et à son Premier ministre « Arrêtez, arrêtez, changez de politique et écoutez les Français ». Le problème, c'est que jusqu'à présent, le président de la République et le Premier ministre n'entendent rien. Et je crois que cette victoire est une étape pour les prochaines. Il va certainement falloir que dans les 2 ans qui viennent, nous poursuivions et nous mobilisions pour faire échec aux politiques que la droite veut mettre en place en France et dans notre région. Quel enseignement on peut tirer par rapport à ce scrutin? On peut dire tout d'abord que quand la gauche est rassemblée, la victoire est belle, puisque ce soir sur Rouen, nous faisons, la gauche fait plus de 59%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme enseignement? C'est que la droite a reçu une belle claque, puisque sur la Haute-Normandie, le président de la République a envoyé 2 de ses émissaires, qui sont plutôt ses avatars, 2 de ses ministres qui ont été battus sévèrement. Donc ça, il faudra prendre en considération cet échec de la droite et en tirer aussi des leçons. J'espère qu'au niveau national, le président de la République va revoir son gouvernement très rapidement. Puisque ce que nous montre ce scrutin, c'est que le gouvernement de Nicolas Sarkozy est contesté sur le plan national. C'est ce qu'on peut tirer de ces enseignements. Je tiens à féliciter nos amis Les Verts d'Europe Écologie et du Front de Gauche qui, très intelligemment, ont accepté le rassemblement entre les 2 tours pour battre la droite et donner de l'espoir au peuple rouennais et aux Normands. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors Valérie, une petite interview, c'est possible? Un tout petit par rapport Qu'est-ce que tu veux, par rapport aujourd'hui à cette belle victoire. Une très belle victoire, je veux dire, sur le plan de la région, avec pour la première fois dans l'heure la gauche qui arrive en tête, un très beau résultat également en Seine-Maritime, et puis surtout un résultat final sur la région qui est supérieur à 55%, sur la ville de Rouen presque 59%, avec un Front National inférieur à 10, et puis donc on laisse la droite à 31%, 31,2%. Je crois que c'est surtout conforter l'ensemble de la gauche sur ce territoire de la Haute-Normandie, sur sa capitale, et puis c'est montrer que quand on mène des politiques au quotidien, ambitieuses, attentives aux habitants, et ben je veux dire, ces politiques-là, les gens les comprennent, et les gens sont vraiment attentifs à ce qu'on soit à leur écoute, et pas avec cette distance comme celle que nous montrent Sarkozy et je vais dire tous ces ministres qui étaient envoyés chez nous. Voilà. Bravo. Merci.